Salut à tous, c'est Clément Seumann. Je vais vous faire un tour de cartes avec un jeu de 52 cartes, tout à fait ordinaire. On peut donner le jeu à faire examiner par les spectateurs, il n'est pas truqué. Ils verront qu'il n'y a pas de carte en double et que le jeu n'est pas truqué. Alors je montre les cartes à vous, chers téléspectateurs, pour vous montrer qu'il n'y a pas de carte en double et que le jeu n'est pas truqué. Une fois que ça c'est fait, le magicien donne le jeu à faire mélanger par un spectateur. Il mélange le jeu. Et ensuite, le spectateur redonne le jeu au magicien. Et ensuite, le magicien fait choisir une carte à un spectateur. Peu importe laquelle, par exemple celle-ci. Alors moi, je ne dois pas savoir laquelle c'est. Alors vous, les téléspectateurs, vous la voyez, mais moi je ne la vois pas. Parce que justement, je ne dois pas la savoir. Une fois que ça c'est fait, le spectateur remet la carte dessus le jeu. Et ensuite, il coupe le jeu en deux. Comme ceci. Et il complète la coupe. Et une fois que ça c'est fait, moi, je dois retrouver la carte choisie. Alors. Alors maintenant, il faut que je retrouve la carte choisie. Alors, je vais retrouver la carte d'une autre façon, en épelant le nom de la carte, c'est-à-dire avec les lettres, avec une carte par lettre. Peut-être que ça marcherait. Par exemple, le 10 de carreau. On va l'épeler. Une carte par lettre. 10 de carreau. D, I, X, D, E, C, A, R, R, E, A, U. Incroyable! C'est que 10 de carreau. Alors peut-être qu'avec la carte choisie par le spectateur, ça marcherait, peut-être. Mais encore, faudrait-il que je sache quelle carte a été choisie par le spectateur. Je dois la deviner, je ne sais pas laquelle c'est. Et moi, je sais que c'est le 8 de trèfle. Et oui, je l'ai deviné. On va l'épeler pour voir si c'est exact. Alors, une lettre par carte. H, U, I, T, D. E, T, R, E, F, L, E. Et incroyable, c'est le 8 de trèfle. Voilà. Et le jeu de cartes est ordinaire. Il n'y a pas de carte en double. Le jeu n'est pas truqué. Voilà.